Les coaster fans, ici Europago et bienvenue pour une nouvelle présentation d'attraction. Ça fait bien longtemps, certes, mais aujourd'hui j'aimerais parler d'une attraction qui va bientôt se faire rénover. Cette attraction a un nom d'un dieu grec qui est le dieu de la mer. Cette attraction a ouvert dans les années 2000 et se retrouve dans le quartier grec. Je parle bien sûr de Poséidon, l'attraction aux multiples secousses. Poséidon est un type de coaster plouf. Il fait partie des premiers coasters à être construits par Mack, les vrais coasters Mack. Je continue. Nous avons aussi la thématique qui nous parle beaucoup sur l'attraction. Cette thématique est montrée sur la guerre de Troie. Je m'explique. Il a bien sûr le cheval de Troie à l'entrée, des vestiges d'une grande cité, des bateaux échoués contre la cité et surtout un film projeté sur une paroi rocheuse dans la file d'attente qui nous parle de la guerre de Troie. Ce coaster a une particularité, c'est qu'il a deux lifts. Un lift, c'est une montée à crémaillère, comme vous pouvez le voir sur cette photo, qui tire l'attraction sur le dessus. Devant la presse, Europa Park a signalé la rénovation de l'attraction, car traces de rouille sont sur les rails et les piliers. Du coup, un danger est présent, et surtout pour rendre plus fluide l'attraction. Merci mes petits coaster fans d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Allez, tchuss et à la prochaine!